j'allais être agressif en partant. Ça, c'est le 2020 qui me rend. Dans... Ouais. Non, je vais y aller avec un 2021. Oui, c'est ça, calme-toi. Coucou. Coucou. Hey, aujourd'hui, on a une capsule un petit peu spéciale. On n'a pas pu voyager, on n'a pas pu rien faire en 2020. On va en parler après, mais je me suis dit... On crée sa coup de pied dans le cul à 2020. Hein? On était à Disney. C'est tout. Bon, on se promène en buggy, hein? Ouais. Il y a quelqu'un qui nous pousse. C'est ça. Attends, t'as Disney, Albert? Oui, c'est ça. Hey, salut la gang, encore une fois, merci d'être là. Aujourd'hui, on a une capsule. Ben, c'est la dernière de l'année. Ouais, c'est ça. On crée un coup de pied dans le cul. Puis honnêtement, c'est ça, hein? Oui. C'est ça, hein? Ah, tu le tiens, tiens-moi-les. En fait, c'est... J'étais enthousiaste ce matin, puis j'avais hâte de la faire, parce que j'ai l'impression que c'est réglé, on passe à autre chose. C'est pas vrai, il y a des séquelles, mais c'est comme un mariage. Dans tu dis oui une journée, puis c'est le lendemain que tu payes. Ou tu regrettes. Non, j'ai jamais regretté, mon amour. J'ai même trop peur de toi. Écoute, tu te fâcherais. Oui, oui, oui. Tu sais, quand même. Quand même. Encore une fois, la gang, merci de suivre le oiseau et la cri-cri. En tout cas, vous cliquez s'abonner. C'est le fun de savoir que vous nous suivez. On essaie de faire de moins de niaiseries possible, mais... Ça, c'est assez dur. Il faudrait que je flush cri-cri. Je veux pas. Ami est indispensable dans ma vie. Vous pouvez me juger tant que vous voulez. Surtout, comme là, je te prêterai un ragoût, hein? Écoute. Quand même. Quand même. Quand même. Quand même. Hey, comme vous avez vu notre background. Des backgrounds! Non, mais là, à un moment donné, il faut rendre ça. Et moi, vraiment, je sais pas. Jovial. Jovial? Jovial. Là, on finit l'année. J'aimerais ça que tu finisses, s'il vous plaît, avec un minimum de. Ouais, ouais. Regarde. Hey, 2020, ça a été de la merde. Ouais, on va se le dire, on se le cachera pas. On se le dit, ça a été vraiment du caca. Ouais, puis ouais. On va essayer le plus possible pour les gens. Il y a des gens en Europe qui nous suivent, il y a des Français qui nous suivent. OK. Puis ils comprennent mal notre affaire. Non, je ris pas d'eux. Je ris parce que dans le fond, on dit on parle tout français. Non. Mais on parle tout français, mais avec des accents différents. Façon, des accents façon. Différents. Alors là, du coup. J'ai la misère. Mais il y a un couple que je suis, ils sont au Mexique en ce moment. Puis, elle dit tout le temps ça aux 5 secondes. Et alors là, du coup. Oui, c'est ça. Hein? Mais du coup, c'est comme finalement. Ben, finalement. Finalement, ou en tout cas. Ouais, c'est ça. Ça ressemble ou ben, c'est des expressions. Qu'est-ce qu'il y a eu 2020? Rappelle-toi au début. Ben, le coronavirus, ça. Ah non, je veux pas en parler. Parle-moi-en pas de ça. Non, je veux pas en parler. Non! Ben, qu'est-ce qu'il y a eu au début? Je sais pas. Monsieur Flynn, Floyd? Ah, le noir qui était... Ouais, M. Floyd, c'est quand même, ouais, c'est quand même okay, triste. Oui. C'est oui. Quelque chose que quand même triste. Les policiers ont tué, là... Ben, ouais. Oui. Faut faire attention à ce qu'on dit, mais... Ben, il était tué par les policiers, c'est ça que je te dis. C'est ça, c'est ça. Il avait le genou, ouais. Il l'a étouffé. Ouais. Bon. Quand même triste, puis ouais. Là-dessus, on ne partage pas cette jouissance. Ben, pas en tout. Du tout. Loin de là. Au contraire, c'est quelque chose qu'on est... totalement contre la violence, ouais. Que ce soit policière ou quelle que soit la violence, ouais. On n'est pas d'accord. Ouais. On peut avoir des opinions différentes sur plusieurs sujets, mais de là à... Je sais pas, là, il me semble que ça va loin un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre à part ça? Hey, ben, il y a eu le COVID? Le COVID, écoute, ça m'a tellement marqué. D'après moi, cette année, il y a eu le COVID. Hey, attends, vu que là, c'est quand même le dernier vidéo de l'année, puis c'est le jour de l'an. Oui. Puis moi, M. Tho dit, moi et Madame, on va aller loin. Non, mais tu sais, ouais. Là, il faut faire attention, on va baisser le son parce que là, YouTube, ils vont me chicaner. Ouais. Tu les connais, eux autres, hein? Non, mais j'avais pris des notes, attends. Ouais. Une chance de pris des notes. Oui, j'avais pris des notes, mais pas fou. Ah, ben non, ben t'es pas fin, là, mais... Que... Juste pour... On va revenir au COVID, parce que le COVID, ça va prendre toute la calme... Pourquoi tu ris? C'est jour de l'an! Jour de l'an, ben c'est... Oui. C'est le temps d'une dame. Tantôt, il y a une amie à ma fille qui est dans ma liste d'amis, parce qu'elle est un comique, en tout cas, on se suit sur Facebook, en fait. Je ne la connais pas, j'ai jamais vu de ma vie. Mais c'était un peu interactif, puis elle marque.
je mets l'oiseau dans le fourneau. Puis à prendre une photo de sa dame. Moi, je sais pas, je suis toujours un peu stressé quand ils disent l'oiseau dans le fourneau. Tes petites pattes qui se font aller. Yes. Hey, puis là, regarde, moi, c'est, on devrait fêter la nouvelle année, la dame. Ouais. Puis là, vu qu'on est à Disney. Ben, on met les oreilles. C'est Mickey Padding. Mickey Padding. Non, Mickey Padding. Début de l'année 2020, les incendies majeurs, Australie, oui, Californie, oui. Puis en Amazonie. Ah, je savais pas, Amazonie? Amazonie ah, aussi. Oui, oui, ouais, ça a brassé okay. Un peu. Les deux autres, je ben, sais. L'augment, ça a doublé ou quadruplé la vente de marshmallow. Hein? Qu'est-ce que tu comprends? J'ai un nombre de niaiseries à dire d'une journée. Hein? Ben oui. J'ai vu cette semaine, je suis en train de passer sur. Essaye de pas taper sur le bureau. Oh, excuse-moi. Il y a un micro, là. Ben, excuse-moi. Ça va te les deux yeux, moi. Ça, c'est déjà fait. J'ai vu passer cette semaine, oui? Justement, il y a un gars que dans sa cour, il y avait un kangourou. Oui. Il s'est fait attaquer. Oui. Oui. Oui, c'est vrai. Là, ils disent qu'à c'est malin, à cause des incendies, ouais. Ben, les kangourous se sont rapprochés. Puis c'est malin, un kangourou, puis à cause de ça, à ouais. Cause des incendies, ben là, ils ne savaient plus où le garocher. Fait que c'est ça, le kangourou, il a attaqué le monsieur. Fatigué. Ben, quand même, hein, écoute. Ça swing, ça a l'air, ça. Ben, hein, le gars, il a envolé, là. Ça a l'air qu'il se place sur le queue en arrière, puis qu'il les pattes. Ben, c'est ça qu'il a fait. Ouais. Puis le gars a envolé, là. Oui, je sais. Moi aussi, les gars me placent sur ma queue en arrière. Même affaire. Oui, oui. J'ai le ballon, j'ai pas. on a eu, mais j'ai pris ça en note, mais honnêtement, je me rappelais pas, puis je me rappelle pas plus aujourd'hui. On a battu des records de chaleur extrêmes au sud du Japon. Ça a l'air que c'était un enfer de fou. Ben, tu peux pas te rappeler de ça. Moi, j'étais même pas. Ouais, mais j'étais allé dîner une fois ben chez Chong Swing. Ils parlaient pas de. Ils ont pas parlé de ça. Non, non, mais je vois pas là souvent au Japon. C'est assez rare. Quand même. Puis j'ai vu de quoi. Honnêtement, je l'ai écrit, c'est trop. Ben, c'est trop drôle. C'est pas vrai. C'est pas drôle. C'est. Ça a l'air du côté bizarre. Il s'appelle M. Ibi Ahmed. Ibi Ahmed. Oui. C'est le premier ministre, président, je ne sais pas trop, de l'Éthiopie. OK. Puis ce monsieur-là, il a eu le prix Nobel de la paix en 2018, mais là, il est en guerre. Ben voyons. C'est bien sûr. Il frappe! Oh! Hey, c'est n'importe quoi! C'est ça, toi? Écoute, c'est n'importe quoi! Le monsieur, il a eu le prix Nobel de la paix, il vient tomber en guerre, là. Quelle bonne nouvelle! Oui! Quand j'ai vu ça, c'est quelque chose. Floyd, on en a parlé. Ah! On a eu nos trois copains. Nos trois chic types de référence. Hein? Oui! M'ont nommé deux noms. Éric! Puis l'autre, je ne me rappelle plus. Je sais pas, ça me dit rien. Ils ont passé devant le juge. Éric Lapointe? Oui. Éric Salveille? Oui. Puis l'autre, là? Ah, c'est. Lozon. Roson. Gilbert. Oui. Ben, les trois ont été inquiétés. Oui. Fait qu'il faut croire qu'il y a juste des filles menteuses au Québec. Oui. Bon, regarde, c'est pas compliqué. Les filles, arrêtez, là. Assumez votre rôle de menteur. Non, mais attends. Salveille, c'était pas une fille, c'était un gars. Ben, il était un peu fille aussi, là. Ben, un petit côté fille. Ben, mais... oui. Il a mis sa caquette sur mon épaule, puis je suis traumatisé. C'est un petit peu fait, là. Parce que, soyons, je veux pas le juger, là, c'est pas ça que je veux faire. J'essaie juste de faire un dessin, une caricature. Mettons que... Puis, ça m'est déjà arrivé. Il y en a un, si jamais il voit la capsule, il va commenter, c'est sûr. Quelqu'un qui me met sa caquette sur mon épaule, ça se peut que ça fasse ça. Ah, ça t'est déjà arrivé sur ton épaule? Non, pas sur l'épaule, ben. Mais c'est assis sur moi tout nu, ouais, ben. Ça, on le nommera pas. Je vais juste dire le pourri. Il va se reconnaître. Oui, il était bien chaud, le Moses. Puis après avoir vidé une bouteille de Kraken, ouais, du Kraken, il courait tout nu. Il est arrivé chez moi. Puis je t'aime, mon chum, mon ami, mon chum. Ouais. Va jouer là-bas, il est à Kraken. En gros, c'est ce que j'ai trouvé. Il y a plein d'autres choses, mais ça nous touche pas trop. Mais tu sais, des choses en France. Non, c'est ça. Mais... on est moins au courant. Je sais qu'il y a eu les gilets jaunes, qu'il y a eu beaucoup. Ah, mais cette année, là. Ah, c'est. Ah, oui, je l'ai marqué. Non, les manifestations. Regarde, QAnon. J'ai marqué QAnon. Ouais, mais... Il y a eu comme
ça existait déjà, mais QAnon a pris une ampleur, ampleur cette année. Ouais. Puis je suis pas là pour juger ou démystifier ou, en tout cas. Mais, tu sais, ils disent tous ces gens-là, fais tes recherches. Ben, j'en ai fait un peu, puis moi, QAnon, d'après moi, ça part d'un sous-sol, ce que j'ai vu. Ouais, ouais. Mais là, tu sais, il y a tellement de choses qui se disent à gauche à droite. On a tombé sur quelque chose que c'était, ça a l'air, c'est le monsieur, un monsieur et son fils qui auraient parti ça. En tout cas, c'était une joke, dans le fond. C'était une joke au départ, puis le là, fils a dévoilé ça. Il a dit, mais non, c'est mon père. Là, il y a du monde qui prennent ça au sérieux. Il y a des gens qui prennent ça au sérieux. Puis ouais. Je suis pas là, on veut pas, on n'embarque pas dans ça. Non, non. Ça nous regarde pas, malgré que, tu sais, dans le temps, on avait les émissions Crébaz et le Rue des Pignons. À cette heure, on a les complotistes. Oui. On va en ligne, on les écoute. C'est, moi, je suis campé. Il y a des gens qui ne croient pas, puis c'est correct. Parce que c'est vrai que ça fait poser des questions, tu réfléchis, puis c'est correct, puis tu n'es pas obligé d'être d'accord. Non. Mais là, arrive-moi pas qu'ils ont fait exploser 50 000 Chinois dans des passages souterrains en dessous de New York la semaine passée, là. Arrête, là. Puis que Céline Dion, elle viole des enfants, puis elle prend le sang, puis elle se pique, puis elle revient jeune et belle. Céline Dion, elle lève en estie. Excusez-moi, là. Elle s'est pas dépiquée. Le pape est enlevé, c'est un sosie. Ouais. Arrêtez, là, vous aidez pas votre cause. Moi, ça me dérange pas d'échanger avec vous autres assez. Puis ça se peut que je dise des fois, ben oui, j'ai remarqué, c'est vrai, t'as raison, t'as un bon point. Mais là, si tu m'arrives, écoute, le deep state, là, puis là, c'est à Bill Gates. Ah, mais attends, il y a une photo de M. Bill Gates. C'est sûr, il est pas blanc comme neige, là. Mais M. Bill Gates annonce qu'il a injecté plusieurs millions à la recherche. Puis c'est lui aussi, puis ça, c'est, on a vu le documentaire. Ouais. C'était où? C'est en Éthiopie, je pense. Non, cas, c'est en Afrique, quelque part. En Afrique, ou en Afrique, peu importe. Il y a et, l'Ebola, il a aboli, mais en fait, il n'a pas aboli, mais il a contribué. La polio. La polio. Il a contribué à créer un vaccin pour sauver plusieurs millions de personnes là-bas parce qu'il y avait la polio. Puis ben en fait, c'est les enfants qui ont traité contre la polio, puis les enfants... Mais ils leur ont injecté une nanopuce. Hey. Ça doit être ça. C'est, en tout cas. Fait que tu sais, mais en dessous de la photo, tout de suite, ça s'est garoché là-dessus. Crosseur, Hitler, puis on va te poursuivre. C'est juste ça que j'ai c'est juste ça. Ouais, c'est fou. C'est juste ce côté-là. Ouais. Pour 2020, c'est sûr qu'il y a le COVID. C'est pas mal la grosse nouvelle de l'année. Oui, j'ai eu une fois aussi, j'ai eu adhéré, je pense au mois de mars. Ça se peut, ça. Oui. Je me suis cassé dedans la semaine passée. Puis on a pris, moi je dirais, 30 livres. Combien? 30 livres depuis le début du confinement. Combien? Depuis le début du confinement. Combien? 30. Depuis qu'on a arrêté de fumer, moi 70, mais... Mais depuis le début du confinement, un 30. Mais moi, j'ai tout le temps voulu faire un trip à toi. Oui, c'est ça, mais c'est correct. Non, mais c'est ça. En tout, depuis que j'ai arrêté de fumer, 70, mais avant, mettons, au confinement, j'avais 30 livres en moins. Non, mais on fait des blagues, là. Mais c'est vrai, moi aussi, j'ai pris 60 livres. Ouais. Depuis qu'on a arrêté de fumer. Avril 2018. Ça va faire 3 ans en avril. Ans. C'est sûr que ça aide pas. Puis, en plus, moi et ma douce, on aime manger. Ouais. Puis, pendant le confinement, j'ai jamais écouté autant de séries puis bu autant de canettes. T'as rien ça à faire? Série. Là, il faudrait essayer de boire de l'eau puis faire du sexe à la place. Ouais. On finirait maigre en nasty. On serait mince, hein? De même. Ça me surprendrait. Hein? De même, ça me surprendrait. Oui, on a du chemin à faire. 2020, as-tu d'autres choses? Ben, c'est pas mal ça, écoute, oui? Comme là... Le fait qu'on n'ait pas pu être avec nos familles pour la période des fêtes, c'est quelque chose qui est pas facile. Ça, c'est quelque chose. Là. Soyons honnêtes. C'est pas là. Facile pour tout le monde. Là. C'est-tu quelque chose qu'on va se rappeler longtemps? Là? Ben, 2020, on n'oubliera pas. On s'entend-tu que nous, on arrive à 60 ans? Ouais. Il en reste quoi? 15, 20, 25 pas, au max? Peut-être 25, 42. On ne sait pas. Mais c'est nos petits-enfants, comme je vais dire le plus vieux de nos petits-enfants, Zachary, qui a 10 ans, je pense. Oui, il y a 10 ans. Ben lui, il va s'en rappeler. Il y a 9 ans, il va avoir 10 ans. En tout cas, 9, 10, là. Il va s'en rappeler un sacrifice de bout, là. Ben oui. Il y a 10 ans, ça veut dire que... Hey, je me rappelle quand j'étais jeune, là, une fois à Noël, là. Toute sa vie, il va s'en rappeler. Nous autres, aussi, mais moins longtemps que lui. Mais honnêtement, comme j'ai marqué sur Facebook ce matin, on n'oubliera pas. On va se le dire. On va rester nerveux. On n'oubliera pas. On va rester nerveux. Puis, la vie ne reviendra jamais comme elle était à 100%. Par contre,
pour 2021, j'espère qu'on va retrouver une vie normale. Une normalité minimale. Fait que là, il faut souhaiter qu'on vienne à une normalité. On vous parle souvent de la même affaire, puis on radote, bien plus elle que moi. Mais c'est sûr que notre voyage à Disney, il est reporté. Puis nous, pour nous, ça l'a... Écoutez, je ne veux pas convaincre personne, mais pour nous, c'est important. Ben oui. Pour nous, ça a une importance primordiale, là, quelque part. Ben oui. Pour nous, c'est vraiment important. On attache beaucoup d'importance à ça. On s'accroche à ça. On écoute souvent des vidéos. Ça nous permet de sourire, d'avoir un but. C'est à ça qu'on s'accroche. Puis c'est la seule raison pourquoi on ne s'accroche pas. Si, fille, on va virer fou dans la maison. On ne voit pas nos enfants. On ne voit pas nos petits-enfants. On ne voit pas nos amis. Tu sais, mon meilleur ami de ma vie, j'ai un ami, puis j'en ai d'autres. J'ai deux, trois amis, là. J'ai trois amis, vraiment. Tu sais, des vrais amis, là, on en est trois, là, moi, là. Puis mon meilleur ami, il a tout le temps été là. Bien, lui, il est venu me voir cinq minutes hier. Il avait besoin d'un papier. Alors, on s'est senti criminel, là, si. Ouais. Ouais. Pas drôle, là! Ouais. Mais si on en est rendu là. Oui, parce qu'il est resté dans... Il est resté dans la porte. J'ai donné ses papiers, tu sais, puis... Je m'ennuie, j'ai hâte qu'on prenne une bière ensemble, mais... Ben oui, moi aussi, ouais. Calvaire, tu sais, de l'échapper s'il faut même, là. Moi puis lui, on l'échappait, c'était drôle. Et là, on l'a pas échappé bébé. Non. Je l'échappe. Mais il faut se dire que ça va revenir, là. Ça va revenir. Il faut garder confiance et se dire que ça va revenir. J'avoue que moi, encore en ce moment, il s'agira de voir, on va en reparler, mais j'ai encore des doutes pour le mois d'août, notre voyage. Ouais, on ne sait pas encore. J'ai encore une petite crainte. Bon, il y a toujours aussi mon fameux waiver, j'ai parlé 250 fois. C'est que moi, je dois attendre que les douanes réouvrent afin d'aller porter mes papiers et j'ai une réponse. Ça peut aller jusqu'à deux mois et demi. Fait que c'est sûr que si les douanes ouvrent en juillet, je suis dans merde. Parce que ce ne serait pas de ça, sûrement qu'on serait allé à Disney, ouais. On aurait pris l'avion et on serait allé, là. Mais tu sais, encore là, t'sais, les gens jugent puis critiquent les gens qui sont au Mexique en ce moment. Tu sais, c'est facile de juger tout le temps. Je crois pas. Je suis pas médecin, là. Je crois pas que c'est ces gens-là qui nous ramènent le COVID ici en ampleur terrible. Mais ils peuvent ramener le COVID. Ils peuvent le faire, ça peut se faire. C'est ceux qui suivront pas les règles. C'est ceux. Il y a toujours une minorité. Faut que tu t'isoles deux semaines. C'est ça, toujours une minorité. Je vais en nommer une, OK? Puis j'espère que... Bon, en tout cas, Alexandre, une amie à nous, c'est notre agente de voyage. Oui. C'est elle qui book nos voyages. Alexandre, elle va souvent à Disney, elle est allée deux fois. Là. Mais Alexandre, elle respecte vraiment le passement. Attends, je suis pas fini, c'est là que j'arrive. Okay, okay. Elle est allée deux fois. Là. Oui. Alexandre, elle a à peu près 152 masques différents à sa valise. Elle a les mains tellement propres là, qu'elle pourrait te faire manger dedans, directement dedans. Écoutez, elle se plie, c'est sûr, on la voit aller. Là. Ouais, puis elle revient. Puis quand elle revient, je suis témoin. La première fois, elle a passé deux semaines dans la roulotte de son père. Ouais. Puis elle n'a pas sorti de là. Ouais. Fait que, tu sais, quelque part, c'est facile de juger ces gens-là. S'ils respectent les règles, il n'y a pas de problème. C'est mais non, mais on n'a pas à la juger, à s'est plié aux règles. Non, c'est sûr, les c'est règles. Ceux qui vont revenir et qui ne se plieront pas. C'est sûr, comme. Ça, c'est dangereux. M'en a main nommé, puis il n'est pas content, il m'appellera Tadros. À matin, la vidéo que j'ai vue. C'est le Cotypique. Cotypique, ça. Ouais, ouais. Lui, il s'en. Excusez le mot, il s'en calisse. Ouais. Tu sais. En tout cas, j'ai m'arrêté ça là. C'est ça. Ça va être aussi bien de mal. Ouais. Fait que, grosso modo, ce que je veux faire par cette capsule-là, avec l'appui de ma douce, on fait une croix sur 2020. Ouais. On oublie ça. Ouais. On passe à autre chose. À partir de minuit à soir, fini 2020, on tombe sur 2021. Puis là, ben. On va faire en sorte que. Logiquement, ça peut pas être pire. Non. C'est à peu près impossible. Non. Ben, j'ai chaud avec ma poule. Avec ta dinde. J'ai chaud avec ma dinde, j'ai chaud avec ma poule. Ouais, moi, c'est une dinde. J'ai chaud. Non. Ah. As-tu vu l'épaisseur de chaud qu'il y a là-dessus, toi? Ah, c'est vrai. C'est vrai. J'ai tout le temps les yeux. On finalise l'année 2020 avec vous, puis on veut vous souhaiter, premièrement, à tout le monde, tous ceux qui nous suivent, nos amis, notre famille, ben notre famille directe, nos enfants, nos petits-enfants, nos amis, on n'en a pas beaucoup, mais on en a quelques-uns, on a des bonnes connaissances, des amis virtuels à travers ça un peu, puis ils vont se reconnaître là-dedans. On veut vous souhaiter, à vous en particulier, parce qu'automatiquement, si vous en passez une bonne, on va avoir des répercussions. C'est ça. Fait qu'on vous souhaite la meilleure des années possibles. On peut souhaiter un paquet d'affaires. Ce qu'on vous souhaite, c'est de reprendre une vie
normal. Puis la santé, parce que quand tu as la santé, le reste, tu peux réaliser tout le reste. Si tu passes une année normale en santé, tu vas travailler, tu vas avoir de l'argent, tu voilà. vas pouvoir te gâter. On se souhaite de pouvoir travailler, gagner notre vie, ouais. de pouvoir se rassembler, de rencontrer nos amis, prendre un café, prendre une bière, voyager. Mais d'abord et avant tout, on vous souhaite la meilleure des années en paix, amour et santé. Le reste va suivre. Ça va suivre. Le reste va suivre. Hey, la gang de le Oiseau et la Cricri, on veut vous dire aussi merci. Merci parce que pour nous, on brise notre première année dans tout cas. Puis pour nous, ça nous a fait rire, ça a été le fun, ça a été vraiment agréable pour nous de partager ces moments de folie-là avec vous autres. Puis on apprécie que vous nous avez suivis, que vous nous suivez encore. On apprécie ça, c'est un petit côté de notre vie qu'on aime bien. Merci beaucoup. Continuez à le faire, vous cliquez « like », vous partagez. Merci encore une fois. Puis, d'après moi, 2021 va nous permettre de faire des capsules avec un petit peu plus d'intelligence. Parce que là, on va bouger un peu. Ouais. On fera pas trop d'efforts ce côté-là. À la gang, merci beaucoup. Puis, dans le fond, là, le principal en 2021, il faut partir avec cette idée-là. Puis, si tu réussis à te convaincre de ça, ça va bien aller. Fait qu'en 2020, quand ça va mal, tout ce qu'on fait, c'est... En tout cas.